Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la playroom de l'épisode de Starbound V5 Please de Giraffe, chers amis. Et nous allons tout simplement continuer un petit peu à faire notre recherche de blueprint. Ici nous avons quoi? Une spear, blade wheel, d'accord, donc ça c'est quand il fait le tour je crois. De mémoire, je vais espérer qu'il y a un heal là-dedans, comme ça j'aurais pas en gaspillé, hein. Perdu. Hop. Voilà, t'as bien fait de t'arrêter. Est-ce que ça ira jusque là? Hors de portée. Non. Oh, non. Ok. Parfait. Oula, ils ont réussi à monter. Enfin, ils ont réussi à monter, pardon. Ok, c'est plutôt efficace le double, hein. Soyons honnêtes, c'est plutôt efficace. Hop, si je rate mon premier coup, en fait, j'en ai un deuxième. Ce qui est assez pratique, je dois l'admettre. Oula. Ah la vache. Ok, toi tu reviendras pas avant longtemps. Bon, on va continuer notre recherche un petit peu de... comment, de blueprint à un rythme un peu plus soutenu quand même. Ok, nous n'avons rien ici. De toute façon, je pense qu'à partir du moment où j'en aurai des blueprints en trop, je me servirai entre guillemets de la prochaine mise à jour. En fait, quand je trouverai les blueprints, simplement, je vais vous le dire comme ça. Si je trouve des blueprints en double, je me servirai de la prochaine mise à jour pour, enfin, lors de la prochaine mise à jour plutôt, je me servirai du double accounting. Hein, c'est un système que, oula. Hop, voilà. Pour simplement échanger en fait des objets entre ce personnage-là et un autre. Je vous expliquerai peut-être le moment venu comment. Si vous avez la configuration requise pour faire tourner deux fois le jeu, ça peut être très très pratique. Vous verrez. Oh, il y avait des amoureux. Eh ben non. Raté. Ah, c'était un mec. C'était une bestiole, le petit machin rouge là. Dommage que j'en ai plus. Vraiment dommage. Ok. Alors pour l'instant, on a juste des effets cosmétiques qui arrivent au niveau de... enfin, des nouveaux cosmétiques qui nous montrent en fait au niveau des développeurs. Donc pour l'instant, disons que je suis pas plus... si, il y a des choses qui sont sympas. Des nouveaux objets qui sont vraiment sympas, qui permettront de donner une ambiance en fait, littéralement. Donc par exemple, en l'occurrence, récemment, ils nous ont montré une machine à faire de la fumée. Qui rendait très bien avec un système de bois autour, enfin je crois que je sais plus si c'est du bois autour, mais qui rendait très bien pour faire un sauna en fait, vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez de l'eau, vous la mettez au fond, et ça fait véritablement comme un vrai sauna et c'est vraiment sympa à regarder. Je trouve ça, comme outil d'ambiance, je trouve ça excellent. Parce que ça marche là, mais imaginez par exemple, tiens, on veut refaire un petit côté un petit peu à la Fallout 4 en ce moment. C'est-à-dire rajouter, entre guillemets, un petit côté creepy au jeu. Eh bien, je t'attends. Fonce-moi dessus, raté. On se retrouvera l'année prochaine. Oui, donc ça peut vraiment rendre super bien. J'essaie de récupérer un maximum d'objets. Là, par exemple, je vois quelque chose qui est très bizarre. Je crois que c'est une faux, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Oui, c'est ça. C'est une faux. Bon, bah écoutez, c'est pas ce à quoi je m'attendais le plus. Enfin, ce que j'attendais le plus, en tout cas, c'était pas ça. Je suis plutôt intéressé par les... oula, j'avais pas vu le petit... hop. Par les blueprints, vraiment, c'est ce qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. Si je n'en trouve pas, j'irai sous terre en chercher. Yo les gars, il fait froid dans le coin. Vous feriez mieux de fermer les portes, pardon. Hop, parfait. Ok, génial. Donc je pense qu'il y a un avantage à y aller en mode full, chers amis, au niveau du truc. Parce que simplement, les blueprints, pardon, vous allez les voir vraiment bien si jamais ils sont en objet au sol. C'est là qui est vraiment le côté pratique. Si vous détruisez un coffre et que vous regardez en objet au sol ce qu'il y a dedans, il y a
de grandes chances que vous, vous remarquiez s'il y a un blueprint en fait. Ok. Bon, cependant là je peux admettre qu'on trouve pas grand chose hein. Je veux bien l'admettre. Bon. Oh. Attendez, j'ai peut-être... Non, dommage. Je l'avoue, j'ai espéré. Je l'avoue, j'ai espéré. Non, tu ne m'auras pas. Tu ne m'auras pas. Des avianes. Ça, ça m'embête. Mon objectif n'étant pas de les buter. Alors, pourquoi j'ai le gant? Hop, d'accord. Ok, j'avais le gant pour une raison complètement inconnue. Ils sont pas fous, hein. Ah, quel dommage. Voilà, on l'a eu. Ils ont une bonne armure par contre, hein. On a pu voir qu'ils font que 10 de dégâts. Hop. Voilà, problème résolu. Alors c'est un temple souterrain, c'est rigolo ça. On n'a pas vu des masses. Oulala. C'est une erreur de ma part là. Ok. C'est pas si mal passé finalement. Sticky bombs, ça ne m'intéresse pas. Ils m'ont pas fait tant de dégâts que ça. Ce qui en soi n'est pas trop mal. Ok, on est ici, on a un mec avec quelques objets sympathiques, on peut pas le nier. Une maison, pourquoi pas. Hop, avec son petit coffre intégré. On va tout de même regarder quelle race dehors. Je crois que c'est un. Oui, c'est un avian. On va le laisser en paix, Stavian. Sachant qu'on aura plus le loisir de pouvoir voler, chers amis, comme on vient de le faire, chez, dans la version 1.1 chez les gens, tout simplement parce qu'il y aura un système de garde. Hein, les villageois donc appelleront les gardes s'ils nous voient voler. Attention. Ça peut être sympa, remarque. Hein. Ça veut dire plus de pillage. Si, on pourra piller allègrement, par exemple, ce genre d'endroit, parce que tout simplement, il est abandonné, mais on pourra plus piller aussi simplement du cuivre, ça ne m'intéresse pas. Hop. Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Les villages, donc du coup, bah, il y aura une difficulté, on va dire, supplémentaire. Pourquoi il a une antenne s'il n'a pas la télé? C'est con. C'est encore que débile, cette histoire. Hop, ça a marché, enfin le résultat est là en tout cas, de là à dire que j'ai été bon, c'est une autre histoire. Et on a fait le tour de la planète, par conséquent j'estime qu'on va faire un petit passage par son sous-sol. Je suis désolé, si le petit requin me suit, il meurt. Ah, je pensais que ça allait faire un mur naturel. Bref, je vais pas y arriver dans cette histoire. Ok, je vais crever. Oh putain. Oh putain. Honnêtement, j'ai cru que j'allais finir par mourir. En plus, je chie dans la colle, vous avez pu le voir. Hein. J'étais complètement stressé par le truc. Ouh, c'est pas passé loin. Bon, continuons à creuser. Le fer, je vais le prendre. Comme tout minerai, je vais pas le laisser passer. Je vais juste virer ça. Voilà.
Un autre minerai en cours, non, c'est bon, on y va. Des diamants pleins de pixels, toujours agréable. Cependant, je suis étonné de ne voir rien d'autre, ni coffre, ni... Bon, bah écoutez. Ni rien d'autre, pourquoi pas. Ce genre de pierre est normalement friable, parfait. On passe, c'est toujours ça qui est bon. Hop. Un petit peu de rubium. Parfait. Ok, un autre type de biome. C'est marrant rigolo parce qu'on a, on est sur un biome glace et pourtant on tombe sur des monstres de biome volcanique. C'est intéressant, il me semble. Hein. Ces monstres crachent du feu. Hein. Je précise quand même, pour ceux qui ne le savaient pas. Hop. Alors, on est passé à côté d'une... Ah bah, non, elles nous ont vu. Hop, passons par là, on va bien voir. Oh, un chat blanc et un lapin. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai tué le lapin. Et j'ai un kitty hat. D'accord. C'était sympa. Oh là, quel con. Ah, c'est presque dommage. J'aurais bien aimé. Bon, faudra que je pense à aller voir celui de gauche la prochaine fois. C'était sympa. Remarque, je l'ai pas vu venir ce coup-là. Enfin, je me doutais qu'il allait y avoir un sacrifice d'un côté, mais je n'attendais pas à tomber sur ce genre de pièce, en fait, littéralement. J'avais une idée de ce qui allait arriver, mais bon. Après tout, c'est la vie. Energy Wave, j'aimerais bien trouver un marteau avec autre chose, en fait. Ce serait cool. Merci les devs, hein, si jamais vous m'entendez. Ok, on redescend. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les coffres, chers amis. On va pas s'embêter pour des broutilles. Qu'est-ce que c'est? D'accord, des bulbes, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Bon, alors. Par là, qu'est-ce qu'il y a? Un cul-de-sac. Et un deuxième cul-de-sac. Dont un qui fait des dégâts. Raté! Moi! Aïe! Challenge portal, est-ce qu'on va avoir deux fois la même? Ah ah! Ça pourrait être sympa! Non! Oh, on en a une classique en plus, hein. Alors, ça, c'est la porte de sortie. Ouais, je me suis pris le caillou en pleine tête, je crois. Allez, vas-y. Oh là là, je suis mauvais. Je suis tellement mauvais. Hop, on appuie là. Allez. Hop. Ça se passe assez bien. J'ai pas appuyé? Ah si, c'était là en fait. Ce serait bête de mourir. Ok, 285 pixels supplémentaires, c'est toujours ça de prix. Ok, on passe, c'est parfait. Et ici, un marteau avec énergie aura. Ah, attendez, nous on avait Energy Waves avant. On va virer ça. Et donc je vais mettre à la place du Knuckles. Ok, alors, énergie aura. Vous ne passerez pas! Oh! Ça, c'est pas comme ça que je l'imaginais. Je m'attendais à une grosse vague d'énergie, vous savez, qui disparaîtrait de chaque côté. Mais pas à ça. Ah, bah ça peut être intéressant alors. Forcément, on va pas y avoir de monde dans le coin. Une épée à une main, pourquoi pas.
Vous ne passerez pas. Oh. Attendez, ça casse aussi les trucs au sol? Parce qu'honnêtement, si c'est le cas, on va regarder. Non, ça casse pas les trucs au sol. Apparemment pas. Par contre, ça, j'aimerais bien les prendre aussi. Ça va être pratique plus tard. Oh, Trail Dash. Oh, dis donc, on trouve des armes sympas. Hein. Je vais les mettre à la place de ça. Et on va le mettre à la place de ça. Compte tenu que c'est une épée à deux mains, d'accord. 30, celle-ci fait 28. Ah d'accord, on fait un peu moins. Aïe. D'accord, c'est un espèce de dash. D'accord, ça va assez loin qui plus est. De plus, j'aimerais voir par exemple, vous voyez on a un petit pic devant nous là. Hop, je fais ça. Ça le casse. C'est pratique en finale. C'est extrêmement pratique au final. Parce que du coup on devient insensible à tout ce qui est objet au sol. C'est pratique. J'aime Gémeaux. Je la referai plus. Désolé. Il y a un coffre. Même deux coffres. Hop là. Voilà. On aura plutôt bien combattu sur ce coup-là. Même si on a pris quelques dégâts, c'était quand même assez stylé visuellement. Donc moi, pour moi, c'est valide. Je vois des choses sympas. Par contre, je vois des choses qui me crachent à la gueule aussi, et ça j'aime moins. Ah, attendez. Ça, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Faut que je garde le marteau pour que ce soit actif. Oh, alors là. Raté. On protège le chaton qu'on a sur le crâne, chers amis, hein, c'est tout. Hein. Sinon, je ne tuerai personne. Hein. Faut pas se voiler la face. Hein. Je suis quelqu'un de gentil, en vrai, en fait. Hein. Boum, voilà. Il nous avait fait tellement de mal, celui-là. Je me suis senti obligé de faire quelque chose pour protéger le chaton. Hein. Oh, forcément. Oh là là, quelle violence! Bon, hop, je passe. Ça par contre c'est vraiment pratique, hein. C'est la vie ça. Surtout que je peux l'enchaîner, genre violent. Hop. Par contre ça me protégera pas de la lave à mon avis. Ok, donc ce sera pas par là qu'on va trouver quoi que ce soit. Oh, quel dommage. Hop, tu me feras plus de mal, toi. Ok, on continue. Par là. On va même remonter, je pense. Ce sera sans doute 100 fois mieux si on y arrive. En tout cas, si on arrive à casser la roche. Oh là là, quelle roche de merde. Allez, casse-toi. Laisse-moi passer. Laisse-moi remonter à la surface. Bon bref, on va arrêter. Hein, la Star Academy, première année, c'est la fin. C'est fini. Depuis longtemps. On n'entend plus parler, Jean-Pascal, tout ça. Oh putain, je me sens vieux d'un coup, chers amis. Oh, la gueule. Alors, passons à autre chose. Creusons. Dans la mine, dans la mine, dans la mine, mine, mine. Je sens que je dois recreuser pour ressortir. Hop. Ouais. Bah oui, comment ça aurait pu être autre chose que du poison, de toute façon. Et pourquoi ça aurait été autre chose que du poison? Ok, je prends la porte. Hop, c'est parti. S'il y a du poison à l'intérieur, je pète une durite. Oh, elle est facile celle-là.
de mémoire. Ok. Ah bah non. Ok, j'admets que ça pue. Fou. Alors là, on a frôlé la catastrophe, chers amis. Il y a quelque chose là-bas. Tombe bien, c'est là qu'on va. Hop. Voilà, pas de problème. Que des solutions, tout ça, blablabla. À la place de du grappin, non, bah non, justement, le grappin est notre maître. Il choisit ceux qui partent de ceux qui restent. Aïe, ouais, bah, c'est moi qui vais y laisser des plumes de toute façon. Non, justement, vas-y, fais-moi descendre. Hop, merci. Crac. Je ne veux. Oh, Reed Organ, pourquoi pas. Oh, Stone Glove pas. Oh putain, on en a trouvé deux en plus. Génial. Absolument génial, chers amis. On en a trouvé deux. Eh ben écoutez, on peut remonter. Oh, dis donc, on en trouve un à chaque épisode, dis donc. Cette violence. On a de la moule en ce moment. Je vais jouer au loto. Je vais jouer au loto, chers amis. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce stunt machin de la mort qui tue? On a les griffes, si en plus on stunt l'ennemi, ça va être mignon. Le voilà. Alors, Static Cell, on en a 3 sur nous à l'heure actuelle. Et une fois un gauntlet, on en a déjà un, c'est parfait, donc ça peut être sympa. Allons voir. Donc déjà, on va ranger un peu notre bordel. Ok, ok. Ensuite ça, ça, ça et ça. Ensuite, c'est bon. Donc ça je peux le mettre là aussi. On a 3 static cells sur nous. Ici on en a 3 aussi. C'est pas joli joli. Soyons honnêtes, c'est... je m'attendais à mieux. En dessous je vais mettre justement le blueprint en trop. Et avec ça je vais mettre les instruments que j'ai que je n'utilise pas à l'heure actuelle. Ok. Ça aussi. Je vais remettre mon... je vais laisser le chat à la maison. Voilà. Ok. Bon bon bon. Eh ben écoutez les amis, je pense que moi je vais aller me renseigner sur quel type de bestiole on peut trouver ces static cells et on se retrouvera dans le prochain épisode en tout cas pour faire le farm de ces petits objets. C'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens et yop!